Les dignitaires du monde entier sont arrivés pour les funérailles nationales d'Elizabeth II prévues ce lundi 19 septembre à Londres. Ils ont rendez-vous en premier lieu à Buckingham Palace pour une réception organisée par le nouveau roi Charles III, énorme rassemblement de figures politiques ou royales du monde entier ce dimanche, auquel n'est pas convié le prince Harry car il a abandonné ses fonctions royales en 2020 en s'installant aux États-Unis avec Meghan Markle. Le président de la République française Emmanuel Macron fait partie des prestigieux invités et s'est rendu à l'événement en compagnie de son épouse Brigitte. Tout de noir vêtu, le couple a fait une apparition discrète devant les caméras, après avoir été remarqué dans les rues de Londres. Pour se déplacer dans la capitale londonienne en fin d'après-midi, le duo français toujours stylé a choisi d'être à l'aise en portant des baskets. Un choix qui n'est pas passé inaperçu dans les médias britanniques. Ainsi, le Daily Mail a décrit avec détail les looks du président et de la première dame de France. Monsieur Macron, qui est rarement vu sans son habituel costume bleu, a été aperçu avec un ensemble plus décontracté composé d'une veste bleue très foncée, un pantalon couleur charbon et des baskets noires, comme sa femme qui a choisi un look similaire. Écrit le site anglais, précisant que le duo portait des lunettes de soleil. Deux jours avant, le couple présidentiel avait été remarqué le 16 septembre visitant la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022.